une mascotte. Bonjour, c'est Soen de la chaîne Sans Dessin Junior. Aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour apprendre à dessiner Daryl Mascotte. C'est parti! Donc les gars, n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Bonne vidéo! Donc pour commencer, on fait un petit rectangle comme ça et on fait déborder un petit peu vers la gauche et la droite. Et on fait un petit rebord au-dessus pour faire la tête de Daryl. Voilà. On fait ensuite ses yeux et sa pupille, comme ça, on peut colorier dedans pour voir ce que ça donne, et voilà. Ensuite on va faire son chapeau, enfin sa tête de foot, parce que c'est foot, c'est Daryl foot là, voilà. Hop, et on fait au-dessus du coup le petit ballon qui dépasse, enfin le ballon, l'au-dessus de sa tête, hop, on fait deux petits traits comme ça, et voilà. Et là, on vient directement faire la forme du ballon. Voilà, donc on fait un petit trait, on fait deux petits traits comme ça. Enfin, on fait un petit rond et après on fait un petit trait sur le côté pour faire les mains, la main après. Voilà. Et on vient relier les deux en bas. Voilà, là on est bien. On vient faire ses pieds. Voilà, donc on fait deux petits ronds comme ça. Enfin, deux petits trucs de pieds. Voilà. On fait les pieds comme ceci, très simple, avec une petite languette qui dépasse. Et on vient rejoindre le haut. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre pied. Voilà. Ensuite, on vient faire directement deux petits traits comme ça et des traits aussi pour faire du coup des quadrillages. Je sais plus comment ça s'appelle. On va dire des quadrillages ou je sais pas. Voilà. Et là, on vient faire un grand truc au milieu. Vous allez voir juste après. Fais un petit peu sur les côtés, hop, au milieu on en fait un. Et là on va faire le gros, donc on fait vers la droite et vers la gauche et en haut. Et là ça va nous faire le gros, voilà. Et je crois qu'on aura fini, ouais. Voilà, voilà. Ensuite on vient faire les mains, donc on fait un demi-rond, un demi-cercle, pareil sur l'autre côté. On va le faire après. Un demi-cercle comme ça. On vient faire un petit truc en haut pour quand il se ferme. Ça, on voit plus les trucs et tout. Et que ça referme, quoi. Voilà. Comme ça. Et voilà. Pareil pour l'autre côté. Ensuite, on vient faire du coup d'un côté le bras du coup. Donc on fait des bras avec des traits dessus pour faire les petits détails. Et comme vous le voyez sur Brawl Stars et tout, comme quand vous le voyez, il a une main de... Quand vous célébrez un stade de foot là, voilà, donc c'est ce qu'il a comme main. On sait pas trop ce qu'il a comme vraie main. Voilà, donc on fait des mains comme ça parce que c'est comme ça qu'il a dans le jeu. Et on fait pareil pour l'autre côté, voilà. Voilà, voilà. Et on fait ça. Maintenant.
Comme ça. Ok. Maintenant, là, on est pas mal. On vient directement faire... Bah, je pense qu'on a fini le croquis, les amis. Ouais, donc on a fini le croquis, les amis. On vient prendre directement du noir. Et on vient faire... on va tout repasser, du coup. Voilà. On va tout repasser. Hop. Et hop. Et on le fait en haut aussi. Voilà. Ensuite, on vient faire... on va repasser la tête. Et la main. Voilà. Comme ça. Et maintenant, on vient faire directement, les amis, un contour bien épais. Voilà, donc on fait un contour épais. On fait un contour épais de partout. Voilà. Ensuite, on vient directement prendre, on prend du bleu. Du bleu foncé. Et on vient colorer un petit peu les trucs. Là. Enfin, les écailles, là. Je sais pas comment ça s'appelle, le grillage, on va dire. Voilà, on va en colorer une sur deux. Colorer sur les côtés. Sur les pieds. Un petit peu sur les pieds. Voilà. Et on vient prendre du rose clair et on vient directement un petit peu colorier, enfin du mauve ou bien comme vous voulez, et on vient colorier un petit peu le début du bras. On vient prendre du bleu et colorier les gants. Voilà. Et le bras. Voilà. On vient prendre du bleu, on colorie aussi un petit peu la tête. On prend du gris et on vient colorier un petit peu aussi la tête. Ensuite, on prend du jaune. Voilà, on prend du jaune et on va colorier, je pense, la pupille. Voilà, hop. Et on vient faire pareil pour l'autre bras avec le bleu. Voilà. Je pense qu'on est bon là, attends, regarde. On va ajouter un petit peu de détails, donc on fait un petit peu d'ombre, un petit peu de partout. Voilà, donc on en fait là, sur le côté. Voilà, je pense qu'on est bon. Voilà, donc les gars, n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci d'avoir regardé toute cette vidéo. Si vous voulez des conseils supplémentaires, laissez-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. Ciao !